πείμα. Βόλιες εσύ πίτσε βούκου. Είτε πόνεκα να νόζω βούτσεν ρούκου. Τα φοκλέδα πάντα με το τούκου. Βαλή, σαλή, σαλή! Aujourd'hui, une vidéo consacrée à un tuto sourcil, l'épilation et le tracé que je vais réaliser sur Rosalie. Je ne suis pas professionnelle, comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais moi habituellement, ce que j'aime faire. Après, ça ne veut pas dire que ce que je vais montrer, c'est exactement ce qu'il faut faire, qu'il faut prendre modèle sur moi, pas du tout. Je sais que certaines personnes m'ont demandé de réaliser ce tuto, ce que je fais, ce qui est normal. Donc, évitez tous les commentaires du genre « mais non, faut pas faire comme si, les règles c'est si, comme ça ». Donc, je suis tout à fait consciente de ça, que ce que je fais, ce ne sera pas la chose absolue. Et ce que je fais, c'est ce que j'aime moi. Et ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, c'est tout. Donc après, s'il y a des conseils à me donner, au contraire, il n'y a pas de souci, je suis là pour toujours apprendre davantage. J'écouterai vos suggestions. Voilà. Donc, c'est parti pour le tuto. Donc avant de commencer, je vais vous montrer les points de repère, les trois points de repère pour avoir de beaux sourcils. Après, donc c'est vrai que c'est pas évident que les points tombent parfaitement avec ce que je vais vous montrer. Donc on va partir de cet œil là qui n'est pas fait, parce que celui-ci est fait et tracé, est épilé. Celui-là non, c'est pour vous montrer la différence. J'espère que vous verrez bien. Donc les trois repères, les trois points. Vous commencez, vous reliez au niveau du coin interne de l'œil, et à partir de là vous avez votre premier trait. Ça veut dire que là vous épilez toute cette partie-là, ce qui dépasse. Voilà. Ensuite vous avez le deuxième point au niveau... vous prenez le coin de la pupille, le coin externe. Et après, vous tracez, vous obtenez votre coin du sourcil, la pointe du sourcil en haut. C'est à peu près là qu'elle doit se trouver. Et ensuite, troisième point, vous prenez votre coin externe de l'œil. Et ici, vous avez donc la queue du sourcil qui ne doit pas dépasser le côté du pinceau. Ça doit être à peu près là. Donc après, d'une personne à l'autre, d'une implantation à l'autre, ce sera jamais pareil, vous n'aurez jamais les points, c'est ce que j'ai pu observer. Donc apparemment, dans l'épilation du sourcil, il faut se baser sur ça. Voilà. Donc moi, c'est ma technique à moi, je vous le rappelle. Je ne suis pas une professionnelle. Voilà. Donc on va commencer petit à petit. C'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la partie la plus basse, d'ici. On va dire pas tout à fait au coin là, je vais m'arrêter ici. Et je vais épiler une partie horizontale ici et ici. Et après au fur et à mesure je vais remonter jusqu'à la pointe. Donc je vais bien tendre ma peau, je prends ma pince à épiler. Et donc on épile. Bien tenir la peau, ça amortit, on va dire, le choc. Donc là, j'épile toute une partie, toute une ligne horizontale. Donc une fois que c'est fait, j'ai fait le plus bas, la partie la plus basse du creux large, en fait, au niveau du creux large de l'œil. Et ensuite, je vais commencer au niveau du coin externe. Moi, je sais qu'après, il y a certainement des règles. Moi, je ne les connais pas. Je fais vraiment au feeling. C'est vraiment ce que je pense être le mieux. Donc je commence par épiler là, ici, voilà, au niveau de la queue. Épiler là, je vais remonter pour obtenir la pointe du sourcil le plus haut possible. Le but du sourcil, c'est d'avoir une pointe vraiment très haut. Dégager le maximum de l'os. Dégager pour pouvoir faire des beaux maquillages. J'épile le plus haut possible au niveau de la pointe. Ici, vous voyez, c'est là qu'elle tombe à peu près, sa pointe. Donc elle est très courageuse parce que ça fait un petit moment qu'on ne lui avait pas épilé les sourcils.
Et donc ça a bien poussé forcément pour que je puisse faire un tuto pour vous, que vous puissiez voir la différence entre celui qui est fait et celui qui n'est pas fait. Voilà, donc je ne sais pas, j'espère que vous vous rendez compte un petit peu au fur et à mesure de l'épilation, j'espère que vous vous rendez compte de l'évolution. Donc ensuite, pour essayer de relier ce qu'on a fait le plus haut possible au niveau de la pointe, on commence, vous voyez, à bien voir, on a bien dégagé l'os. Donc on va essayer de rejoindre cette partie-là, la partie la plus basse. Donc ce qu'il y a, le secret, c'est d'éviter de trop épiler au niveau de la tête du sourcil. Trop épiler, déjà qu'elle n'en a pas beaucoup, hein, je ne sais pas si vous le voyez, elle n'en a pas beaucoup. Mais bon, il faut toujours que ce soit bien net. Donc on va essayer de voir la nuance entre la tête du sourcil qui doit se trouver assez basse et la queue et la pointe qui se trouve assez haute. Il faut vraiment avoir une différence. Un sourcil ne doit pas être droit. Hein. Un sourcil ne doit pas faire ça. Donc on doit absolument descendre le plus bas possible, hein, donc épiler le moins possible ici. Donc ça, c'est vraiment ma façon de voir. Donc après, je ne sais pas, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Moi, je vous montre. Hein, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Mais je ne suis pas professionnelle, donc je ne prétends pas connaître et dire que mes dires soient exacts. Je ne prétends pas ça du tout. Chaque type de sourcil, chaque implantation des sourcils de chaque personne est forcément évidemment différente. Donc il faut s'adapter selon chaque personne. Il y a des personnes qui le font à la cire. Moi personnellement je le fais à la pince à épiler, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Je ne prétends pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, je ne sais pas du tout, je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas vous dire. Après moi je sais que je suis habituée comme ça, donc je fais comme ça. Donc c'est vrai qu'elle, par rapport à l'autre, elle a un sourcil qui est complètement différent de l'autre. Celle-ci, la pointe, vous voyez, celui-ci, la pointe sera plus dessinée là, que de l'autre côté. Vous voyez, là, pardon. Là, il descend un peu plus. Et ce côté-là, il descend moins. Ouais. Donc après, au niveau du tracé avec le crayon, on fera en sorte de corriger ça. Donc là, je suis en train de regarder à nouveau l'arête du nez et le coin interne de l'œil. Et donc, je vais épiler les 2-3 sourcils, les 2-3 poils, pardon, les 2-3 poils qui s'y trouvent là. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est du détail. Mais les détails font beaucoup. Donc maintenant, là je pense que beaucoup diront que au-dessus on n'épile pas. Beaucoup m'ont dit qu'il ne faut pas épiler le dessus du sourcil. Moi je le fais parce que bon, il faut reformer davantage le sourcil pour accentuer la forme. Et ouais, pour plus de propreté, je trouve que le fait d'épiler au-dessus, c'est beaucoup plus propre. Mais après, c'est encore une fois un avis personnel et ce n'est pas l'avis d'une professionnelle que vous avez. Voilà. Donc faire en sorte d'épiler plus là et de moins en moins au-dessus. Ça, si on veut vraiment accentuer la forme là, il y en a quelques-uns ici. Ça me dérange. Donc ça va accentuer, on va dire, au niveau de la tête. Évident d'un sourcil à l'autre, les deux sont jamais pareils, donc c'est pas évident de faire un sourcil exactement identique à l'autre. Faut surtout pas oublier d'épiler ce qu'il y a entre les yeux, forcément. Vous voyez, elle a pas grand chose. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident, hein, je vous dis, on peut pas avoir les deux mêmes sourcils, donc c'est le tracé qui va aider à avoir les sourcils assez symétriques et de corriger éventuellement les défauts. Donc on va tracer tout de suite les sourcils. Donc voilà, j'ai tracé un des deux sourcils forcément avec un crayon et du fard à paupières. Donc j'espère que vous voyez bien la différence. Donc c'est le côté très net que moi j'aime beaucoup. Certains n'aimeront pas, donc après moi je sais qu'on m'avait demandé de faire ce tuto parce que le tracé de mes sourcils avait plu à certaines.
et certains. Donc moi je le fais. Après évidemment il y a des choses beaucoup plus naturelles à faire, comme mettre que du fard à paupières. Moi je mets les deux, crayon et fard à paupières. Donc je vous fais ça tout de suite, c'est parti. Pour cela j'aurais besoin d'un crayon MAC, crayon pour sourcils, le Strut. Voilà. Qui est vraiment très bien parce qu'il est vraiment très fin. Donc ce que je fais avec le goupillon, c'est que je vais baisser les sourcils du haut et vraiment tracer le crayon au niveau de la racine pour que quand les sourcils seront levés, vous voyez, ça sera naturel. On ne verra pas très directement. Et après, je suis. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau biseauté, pardon, et je vais étaler le crayon partout. Bien proportionnel, bien proportionnel partout. Donc étant donné que le crayon que je lui ai mis, le Strut, il est assez marron, et qu'elle a les sourcils très foncés, je vais rajouter, pour faire le mélange, un petit peu de fard à paupières noir. Donc j'aurais pris notamment celui-là de la palette Flic, celui de la palette Flic. Donc sans trop appuyer évidemment, parce qu'on ne veut pas qu'elle soit totalement noire, mais le mélange des deux fera à peu près la couleur naturelle. Mes chiens font un petit peu de bruit. Aujourd'hui, ils sont un petit peu énervés. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ouais, tu m'as pas réveillé. Elle se marrait moins tout à l'heure quand on lui tirait les poils. Hein, c'est vrai, hein. Donc, une fois que c'est à peu près pareil, hein, on regardera de loin tout à l'heure, on va estomper avec un pinceau comme ceci. Que vous avez dû au moins avoir tous une fois dans votre vie. On a côté peigne, on a côté brosse. Et donc moi je vais utiliser ce côté-là pour estomper, pour étaler la couleur et estomper. Voilà. Donc moi j'estompe vraiment l'intérieur. Après, vous pouvez estomper bien les bords pour pouvoir avoir quelque chose de moins net. C'est grâce à ça que vous pouvez obtenir l'effet moins net, un peu plus flouté. Moi je veux pas l'effet flouté, je veux vraiment l'effet... tracer, dessiner du sourcil le plus propre possible. Et tout ceci je lui ai fait sur une peau non maquillée, bien évidemment logiquement il faut faire son teint avant. Là je n'ai pas fait son teint donc c'est pas nickel, mais aujourd'hui c'était vraiment un tuto consacré au sourcil. Donc le but c'est d'allonger un maximum le sourcil, donc faire quelque chose d'assez allongé au niveau de la queue du sourcil. Et on ne rigole pas. Non mais. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous donnera plus d'idées pour vous et ça vous donnera une autre vision de l'épilation du sourcil, de la forme à donner. Donc voilà, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, je vous embrasse tous bien fort et à bientôt.